C'est l'histoire d'une petite meuf, grave fraîche, qui vivait dans un bled pourrave. Sa grand-mère la kiffait grave. Ils n'étaient pas bourges, mais elle lui faisait pas mal de cadeaux. Un jour, elle lui donna un petit capuchon rouge. Du coup, on lui a donné le blaze de petit chaperon rouge. Un jour, sa grand-mère a grave la crève. Sa daronne lui dit: Vas-y, va voir ta grand-mère qui est trop malade. Apporte-lui un petit gâteau et un petit pot de beurre. La petite se dit: Vas-y, vas-y, tranquille, passe par la forêt. Dans cette forêt ghetto, il y a un grand du coin. C'était un loup, une caïra le mec, un vrai gangsta. T'as compris le bail? Il voit la zouze passer et s'approche mine de rien. Wesh, belle gosse, bien ou quoi? Tu vas où, Comas? Elle lui répond: Je vais chez ma grand-mère, elle est malade, je lui apporte des gâteaux. Faut pas se leurrer. Il l'a bien kiffé. Il voudrait bien la bouffer. Il lui dit: Elle habite loin? Là, il commence à la saouler. En plus, il pue de la beurre. Ouais, elle habite là-bas, près du moulin, tu vois? Vas-y tranquille, qui lui répond mine de rien. Le mec, il a un plan trop bien. Il bombarde sa race pour arriver le premier chez la vieille. Il arrive tout d'aide, il sonne à la porte, la grand-mère lui crie: C'est qui? Le loup, il prend une voix de gadji et il lui répond: C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte des gâteaux et un petit pot de beurre. Ouvre, c'est pas fermé. Le loup rentre. La vieille est bigleuse. Elle a rien cramé. Il l'attrape, il lui met un revers, il la traîne par terre, il la dessape et il dame la dame. Le loup se sape comme la vieille et se met au pieu. La gamine arrive, tranquille, elle sonne à la porte. Wesh, c'est qui? La gamine est kécho, mais elle se souvient que sa grand-mère est malade. D'où la voix de Cutard. C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte des petits gâteaux et un pot de beurre. Entre, c'est ouvert. La petite entre, elle se déshabille et se met au pieu. Elle a rien tilté. Grand-mère, t'as une sale gueule aujourd'hui. C'est vrai. Elle n'est pas très belle, la grand-mère. Grand-mère, que tu as de grands bras. C'est pour mieux te câliner, mon enfant. Oh, mamie, que tu as des grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Mamie, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Mamie, mais que tu as de grands yeux, c'est pour mieux te jeter, mon enfant. Mamie, mais que tu as de grandes dents. Là, le loup, il pète un plomb, il se jette sur la gamine et il la bouffe. C'est pour mieux te manger, gamine. Si j'ai un conseil à te donner, ne cause pas aux mecs chelous. Ce sont souvent des loups. Et comme t'as dit ta remet, ne parle pas aux étrangers.